C'est le niveau déjà, la Nationale 1. Après avoir fait, le club a fait ses armes dans un milieu amateur, même si on reste toujours amateur, mais on se rapproche vraiment du milieu professionnel. Donc, comme on a dit, on monte de deux étages, donc déjà c'est ça. Paris, c'est quand même très attractif. Moi, j'ai entraîné le PFC, j'ai entraîné au Racing, bon, à Colombes, il y a très longtemps. Donc, je connais aussi les fondations au niveau de la région parisienne, donc c'est important. Et de rentrer dans ce championnat-là, qui ne va pas être évident, puisque ça regroupe, on va dire, presque 7-8 équipes pro. Donc, c'est aussi un challenge pour moi personnel et je pense que c'est un challenge pour tout le monde. Donc, on va travailler comme on a déjà commencé à faire en osmose, dans une cohésion, parce qu'on sait qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Ça ne va pas être évident, mais ça reste le football. Donc, on va tout donner comme l'ADN du club est depuis le début. Je pense que déjà, le projet du club, il ne faut pas déroger à cette identité. C'est ce qu'ils ont fait la saison dernière, ce qu'ils ont fait les saisons précédentes. Il faudra s'atteler sur ce projet-là, à savoir avoir des garçons qui vont venir là pour être dans l'esprit, pour être solidaires, pour mettre un groupe en place. Mais bien sûr qu'il faudra des joueurs de talent, mais qui sont toujours au service du collectif. Et ça passe par là, parce qu'on sait qu'on est vraiment dans un championnat avec des équipes beaucoup plus huppées que nous, mais ça reste le football, donc on va rentrer sur le terrain pour donner le maximum et surtout avoir aucun regret et qu'on puisse se regarder à la fin des matchs.